Sixième journée, sixième réveil toujours aussi matinal et sixième étape très physique sur le Friant Dystrophie. Une étape qui emmène les participants de la Malène à Saint-Rome-de-Tarn et qui contient les deux dernières sections de canoë de cette édition. Et nos équipes risquent de s'en souvenir. Et chez les X-Mutes, ce que l'on retiendra de cette étape, c'est avant tout cette dernière en canoë où l'on a vraiment tout donné. C'était difficile, 12 km c'est assez long. On a tout donné, je pense qu'on a, vraiment bien réussi. On en a doublé pas mal, c'était sympa. Brigitte a bien pagayé comme il fallait. On n'a rien lâché comme d'habitude, c'est parfait. Bravo Brie. Une chose est sûre pour tous, ce raid aura permis de renforcer les liens. Ils ne se connaissaient pas du tout avant. Une vraie appréhension de notre part, mais de la leur aussi, hein, voilà comment les choses vont se passer. Le binôme Brigitte-Mathieu fonctionne à merveille. Avec Mathieu, on s'entend bien, on a vraiment la même façon de faire, une bonne cohésion. Le binôme Pascal-Karine fonctionne aussi très bien. Ça s'est rendu, hein, ça monte. 10%, c'est l'enfer. On va y arriver. Ils savent se motiver les uns les autres, donner le meilleur d'eux-mêmes. Après 6 jours, moi la réussite, elle va au-delà de toutes nos espérances. Parce qu'on a une équipe fantastique qui aujourd'hui s'est organisée autour d'un vrai sujet. Je crois que ça restera longtemps dans la tête et je crois qu'on l'oubliera jamais. On arrive au bout, on sent qu'on va aller jusqu'au bout, donc on en est fiers. On va continuer sur la même lignée, se faire plaisir, tout donner, et puis voilà, après le classement, on s'en fout. L'idée, c'est de se dépasser. J'espère en tout cas qu'on a donné une belle image de la Matmut, et on va en tout cas faire en sorte que ça continue jusqu'à samedi inclus, quoi. L'arrivée à Toulouse et les derniers kilomètres se rapprochent, tous les participants profitent donc encore tant que possible de tous ces moments passés ensemble, même si les muscles, eux, ne devraient pas être mécontents d'en finir. En attendant la délivrance, l'heure est au repos avant les deux dernières étapes et quelques difficultés encore à venir.